Bon ben bonjour tout le monde, c'est que bienvenue pour l'épisode de la soirée. Donc le jeu que je joue ce soir c'est Afterlife, Girl and Cats and Lost World. Fait que ça c'est un visual novel, donc une nouvelle visuelle d'une petite fille et son chat qui se perdent, je pense, dans un monde imaginaire, j'imagine. Étant donné que c'est pas très clair, mais juste par le titre je pense que c'est ça. Mais sinon, moi, la raison pourquoi j'ai pris le jeu, c'est parce que c'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit avec un chat, puis ça, mais comme ça, je voulais jouer, puis dans le fond, ça valait quand même assez bien comme approche. C'est aussi comédique. Fait que dans le fond, ça risque d'être une ambiance douce, c'est comme pas trop lourde. Fait que c'est bien. C'est dans le fond, comme que pour quand mettons que juste une journée pour présenter un jeu, mais c'est l'idéal. Puis celui-là, je pense qu'il risque d'être très court parce que c'est vu que c'est un jeu gratuit, donc par logique c'est ça. Puis comme que, puisqu'il n'y a pas beaucoup de critiques, mais let's go. Donc c'est assez relou. Puis comme dans le fond, on va faire notre propre critique. Fait que commençons la partie. Puis bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Selon moi, ça risque d'être très court. Là. Ça risque d'être environ une demi-heure, une heure, mais on verra. Fait que peut-être dans le fond ça va être plus long, on sait pas. Mais ça a quand même l'air bien malgré tout. Déjà comme que juste l'écran titre, il est pas si pire. T'sais. Bon, commençons cela. Comme ceci. Ah ouais, mettre le son. Hein. Là, je sais pas si le volume il est trop fort ou pas. Je dois savoir un joueur. Je sais que dans mes oreilles il est trop fort. Là. Ça, déjà. Je vais le mettre à... Là, il y a comme 3 chapitres d'écrit. Ok, c'est bon ça. Ok, c'est comme traduit en même temps. Mais fois, j'aurais aimé ça que ça soit traduit soit en français, soit en, soit en japonais, parce que ça, dans le fond, parce que ça, c'est en japonais, là. Mais j'aurais aimé que ça soit traduit à part, comme pas ensemble, là. En tout cas. Ok. Oui, traduction spéciale. Hein? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'ils disent, là, mais... Il y a aussi beaucoup de fautes de frappe, là, comme on peut voir. Là. Fait qu'à la place de black and white, là, ils disent de brack and white. Ah, salut. Hey, c'est pas très lancé, Minou, là. Moi, c'est la première habite, 6 mois. Elle va être court en SC. Je m'attendais au moins à avoir une histoire. Ok. Bon, on peut commencer là. Peut-être qu'il va y avoir plus d'histoires là, là. Là, il n'y a même pas eu d'histoire, rien. En plus, c'était mal traduit. Essayer. Ah! Ok, c'est des œufs. Voyons. Il n'y a pas des œufs brouillés là. Fait qu'il n'y a pas des omelettes, mais des œufs brouillés. Oh. Dans le fond, c'est l'histoire d'un chat qui insulte une fille, puis que la fille, mais ce qu'elle fait tout pour lui, pareil. Enfin, comme le fameux stéréotype que le monde a à tort des chats, là. Mais c'est ça. Arrêter un chat, c'est pas si égoïste que ça. Arrêter un chat, c'est un enfant, là. Donc ça dépend comment que tu l'élèves. C'est vrai que tu l'élèves trop gâté, mais c'est sûr que. Est-ce qu'il va penser que t'es là pour le servir? Maintenant tu l'élèves, peut-être pour qu'il soit autonome, mais c'est sûr qu'il va être autonome, puis qu'il va être très amical avec toi, puis comme qu'il va t'apprendre, essaie de te respecter comme toi tu le respectes. C'est une relation de... Fait que ça leur fait passer une relation mutuelle que tu as envers ton félin. La personne qui a comme traduit le jeu, est-ce que c'est pas relu? Parce que ça, c'est évident que ça a été traduit à la main, parce que vu que il manque des lettres d'un mot, ça veut dire que ça n'a pas été traduit à la machine, ça va pas être traduit à la main. Mais la personne ne s'est pas relu, rien. Surtout que t'as pas tant de mots que ça à relire. Là. Hey, c'est dole en estime, m'a dit. C'est pas bon. Bon. c'est sûr qu'il va marquer sa shot. On comprend qu'elle ne sait pas cuisiner. Why? C'est tout. Ouais. C'était disons pas très yable. Là, je vais prendre la fenêtre, là, mais c'est que c'était disons pas très yable. On va dire. Ça a même pas duré une demi-heure. C'était tellement mal traduit que c'était à peine compréhensible qu'est-ce qui était écrit. Et pourtant, moi, absolument, je suis habitué au jeu mal traduit, mais absolument, je peux quand même lire entre les lignes de quoi ça parle. Là, j'ai pu un petit peu comprendre entre les lignes. C'était l'histoire d'une fille et de son chat. Mais c'est Lost World. Dans le fond, je ne suis pas trop sûr pourquoi le Lost World, parce que la fois, je ne l'ai pas. Dans le fond, fait qu'à voir qu'ils sont Lost World, c'est dans le fond, c'est fait qu'à réinverse. Dans le fond, pour les choses simples de la vie. Là. Mais, par de ça, on va dire, pas très yable comme jeu, là. Pas très bon. Là. Fait que, non, je le conseille pas. C'est un concept qui a du potentiel, mais premièrement, il faudrait que ce soit bien traduit. Puis deuxièmement, mais peut-être mieux le travailler, parce que là, les histoires sont courtes. Puis sont pas nécessairement bonnes. C'est parce que là, les trois histoires, c'est plus arrêté un chapitre qui aurait dû être en un, mais comme c'est ce qu'elle a seulement écrit en trois fois. À la fois l'auteur qui a écrit le jeu, ce qu'elle a seulement écrit en trois fois. Fait que là, à la fois, comme c'est dit que c'était trois histoires. Non, non, c'est une histoire, c'est juste qu'elle a écrit en trois fois. Fait que dans le fond, elle aurait dû. Dans le fond, faire le jeu comme étant un chapitre, t'sais. Puis ça finit là, là. Parce que ça, sérieusement, c'est ridicule. Là, ça, je veux dire, même si dans le fond on arrive aux 6 chapitres prévus, ça sera pas nécessairement une histoire complète qu'on va avoir eu. C'est comme là, dans tout ce qu'on a eu, c'est une introduction de quelque chose qu'on n'est pas sûr de quoi qu'on parle. Comme le côté comédie, mais il est très peu là parce que puisqu'il n'a pas pu embarquer dans l'histoire, étant donné que c'était mal traduit. Fait que non, je le déconseille, malheureusement. Puis pourtant, j'étais quand même enjoué à l'essayer. C'est en me disant que la fois que ça allait être simplet, mais là, c'est pas juste simplet, là, c'est carrément botché. Enfin, c'est le bon terme. Enfin, le bon terme, c'est botché. Fait que c'est ça. Fait que, en espérant que ce que vous avez aimé, que ça va aujourd'hui. Parce que moi, j'ai plutôt trouvé ça moyen. C'est comme pas nécessairement, ah non, mauvaise soirée, mais dans le sens de bof. Fait que, je reviens samedi avec Sometimes Always Monsters, qui est comme le 2, mais dans le fond, la suite de l'histoire de Always Sometimes Monsters. Ce jeu-là, mais dans le fond, c'est sûr qu'il va être bon parce que, absolument, les jeux dans le fond de Vagabond Dog, c'est toujours très bon. Fait que, on se revoit samedi. Fait que pour ceux qui ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont vu aujourd'hui? Fait que dans le fond, vous cliquez sur follow, je suis dessus. Puis pour ceux qui sont sur YouTube en train de regarder, fait que dans le fond, la rediffusion, fait que dans le fond, vous cliquez sur souscrire juste en dessous. Fait que moi, je reviens samedi avec Sometimes Always Monster. Donc, c'est à samedi tout le monde et bonne soirée.